Come on, 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 come on
ما بين قلوب أبي، ما بين قلوب أبي، ولا تيتو كمان تيت كمان بيت. بيلا بيوابي، أو بقلوب، ما بين أو بقلوب، زو بقلوب، ما بين تيتو كمان كو أبل كمان بيلل تبوا ماينه، ولا تيتو كمان، أنا بيا. Maba kwe, ni la titu kama, osewe nye enye siya. Osewe nye enye siya. Maba ino kiyoma. Ino kiyoma. Lunyalene otoya. Elle tepe ya koko. Elle tepe ya koko. Pastor did a certain day. Mabena was so. After my crap. But I like a pastor was. Yet a woman, a feminine. After my feminine, I get back to you. Mabaku Yahoo. When we go on, I get back to you, mother people. Then after my reward, I know. Maba epoi kana le tan le babiwa. Pere kana le pribwa. Wom nyabo nuwe nyeba. Elu mapa. Dada nede le probena de. Yehuwa no yawu uya nyeba yawu. Enu ika Yehuwa wonota. Nele kweba kakmea. Hey, yandere boya ba. Rekete yandere boya. Ziyan derebo ya zuyan derebo ya rekete ya ba friko maba wata Yehowa ba te fwe ya nola maba Yehowa fala maba tawo ya mafanola ati ya mriman la miyama la tema kwe la tema kwe la tema kwe la tema kwe haleluya oh Yehowa. Oh, Yehowa, Maloa, Oto, no, Triaco, Hallelujah, Oramaso, Ishanto, they dance on, dance you are, dance on, dance you are. Yeah.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. The shant of faith. Thank you, Father. Thank you, Father. As old as you are, you remain the same. You never change. You never change. Nobody can change you. Nobody can change you.
destroyer. Mama, for me to dear. Then for me, I mean, ever walk at them. Une fois encore, nous allons bénir son Seigneur. Une fois encore, nous allons le célébrer. Pour les merveilles qui ne cessent de faire dans nos vies. Alléluia. Amen. Tenez-vous debout pour donner louange à notre Dieu. Merci. Alléluia. Amen. Nous sommes obéis. Mamba,
I'm
You are
L'éternel partout où tu es ce soir dans cet auditorium. Just wave your hands to the Lord in worship. Wave your hands to the King of Kings and the Lord of Lords in worship. The great I am, there I am. Wave your hands in worship to Him. Korodo Shabarana dos te kamamaya. Wave your hands to the Lord. Father, we adore you. Father, we worship you. Father, we magnify you. You are the Lord of all flesh. There is nothing that you can do. You are the Lord of all possibilities. We worship you. We lift your name high. We praise you. Thank you, Father. Thank you, Lord. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Give it to the Lord. Give it to the Lord. Give it. Give it. Give it praise. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Une fois encore, nous vous souhaitons la bienvenue. Pendant que nous évoluons dans ce programme, je peux te rassurer que le Seigneur est parmi nous. Et ce pourquoi il nous a amenés ici, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Le Seigneur le fera. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons recevoir l'orateur. Mais je ne suis pas digne de présenter cet orateur. Alléluia. Sous vos acclamations. Et en toute humilité, nous allons recevoir le fondateur. La tête de la lumière de cette émission. Très fort le Seigneur. Son nom est Emmanuel. Il honore toujours son nom. Il honore son nom. Mais c'est pour cela que nous sentons actuellement sa présence. Sa présence opère toujours des miracles. Sa présence opère des changements. Alors toi qui es ici ce soir ou cette nuit, laisse-moi te rassurer.
tu ne vas pas repartir tel que tu es venu. Amen. Parce que le Seigneur est là. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore une fois? Merci beaucoup. Je tiens une fois encore à remercier le Seigneur pour cette convention. Et sans plus tarder, nous allons écouter le deuxième message de cette convention. Ce deuxième message qui changera encore beaucoup de choses dans notre vie. Ce deuxième message qui nous amènera, à une nouvelle dimension. En tout cas, c'est ce que le Seigneur m'avait dit. Si tu crois, tu feras sa gloire. C'est partout où tu te trouves en ce moment, en train de me suivre, sois avec nous dans cet esprit. Et depuis Moline, le Seigneur va te visiter aussi. Avant de le présenter, bien sûr. Je le remercie encore une fois de plus de nous avoir accordé son local pour abriter cette convention de est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Alors c'est par lui que le Seigneur est passé pour vous bénir cette nuit. Moi je reviendrai pour juste boucler ta boucle. Alors nous allons donner l'opportunité à l'homme de Dieu, à notre bien-aimé, celui de la vie à épouser cette mission, le révérend, pasteur, prophète, bishop, Abaya. Alléluia. Alléluia. Soyez en position d'adoration. Soyez en position d'adoration. Alléluia. Noah, l'agneau.
Tu es unique en ton genre. Tu es le seul vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. Tu es le roi et l'omègue. Tu es le roi de la terre. Le roi des cieux. Le roi de toutes les créatures. Le roi de toutes choses. Ton peuple te loue ce soir. Quelque part où ça bouge le loup. Miracle of God.
Dieu qui guérit. Et là, j'adore le nom de ce Dieu qui guérit. Et si je vous guérirai, je vous guérirai de toute maladie. Le feu du Saint-Esprit.
lancé. Il a vu le feu. Il porte un seau. Il a vu la plante des pieds. Et l'organisateur de ce grand événement, le président de Cardio Visa Canada, que le Seigneur vous bénisse, docteur Adopé Sylvain. Et j'ai cette opportunité de parler de la part de Dieu à son peuple. Un lundi où j'avais fait une émission, j'avais prié pour les gens. Et un appel vidéo. Et
vidéo. Et yo pour le vidéo mais. Moi je le connaissais depuis mes vues, depuis ne m'a jamais vu. Il y a été si vous voyez il y a des assemblées de Dieu de Bekota. Écrit des assemblées de Dieu de Bekota. Et les pasteurs au groupe de côté. Je le voyais là-bas. Il connaît le fond. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand j'ai eu la chance d'aller au prix l'année passée, et va y amener mon coco suicide et Yahweh. Je l'ai visité. Et il est très fort. Il m'a fait grâce de prêcher et de prier pour le peuple. Et veillez nous là avec nos maouna. Les deux étaient peu et tout que dans notre compte. Depuis que j'étais devenu pasteur, au Bénin à Cotonou. Sous caca caca, mais il y a trois sous pasteur de Cotonou, le Bénin. C'est grâce à lui que j'ai prêché pour la première fois à Cotonou. Et tout, et va me lever, mais il y a trois maouna, les supporters de Togo. Et il dit, je vais Jean-Baptiste. Et c'est vrai que Jean-Baptiste, il y a souffert. Mais les gars, ils ont fait le Togo. Amen. Moi, j'ai fait le Bénin, le Cotonou. C'est là-bas que j'ai fait le Bénin avec mon père spirituel avant le Bénin. Et il y a Cotonou, il y a non. Le Bénin, il y a dit, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot. Mais pas son Bénin, va tout prêcher à la nation togolaise. Donc, eh bien, un mot, il y a un mot, il y a un Togo. Alléluia. Homme de Dieu, je suis très reconnaissant. Et ma ouba, mais. Et Dieu présente les jours, nous sommes encore ensemble ici. Les années qui arrivent, on se verra encore au Togo. Et pour la grande moisson. Je remercie le peuple de Dieu qui est là, qui m'a fait confiance. J'aimerais vous rassurer que vous ne partez pas tel que vous étiez. Ce programme est venu vous changer d'intérêt. Ce matin, nous allons écouter un message concernant la sanctification. Nous lisons la vie de notre maman, de notre mémé qui nous a parlé de la sanctification. C'est la base de soubassement de ce programme. Parce que comme la Bible dit que sans la sanctification, nous ne verrons pas la face de Dieu. C'est sûr que nous sommes très sanctifiés. Mais quoi, c'est bien la vie de notre maman. Donc ce soir, les bénédictions qui vont jaillir du ciel. À son retour, il y a déjà quoi que ce type quoi. Impacter la vie de quelqu'un. On l'a bien avancé, mais va crever. Moi, ce soir, je pars sur le terrain. Et il y a un temps, on peut avoir comme boulot à dire. Cet esprit et cette fonction dans la vie d'un homme. Pour le péton, on est à me péton, on est à peine. Quand on peut dire l'impartation du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Pourquoi le chrétien a besoin du Saint-Esprit? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Quelqu'un dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a beaucoup de ministères dans nos vies. Zacharie 4 verset 6. Il dit ceci. Alors il reprit et me dit. Et ici la parole que l'Éternel adressa à Zerubbabel. Et c'est n'est pas ce que je vois donner Zerubbabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force. Mais n'est-ce pas nous sommes, n'est-ce pas quand les hauts. Mais c'est pas mon esprit dit l'Éternel. Donc il faut continuer le coup à parler à l'école. Seigneur, merci pour ta parole. Explique ta parole. Que cette parole, Seigneur, bénisse ton peuple. Que la même parole détruit les œuvres de Satan. Et il n'y a pas de Jésus. Amen. C'était la loi de la reconstruction de Jérusalem. Quand Zerubbabel était revenu de la captivité, il y avait eu de l'opposition. Les ennemis étaient trop nombreux. Il voulait empêcher le travail de Dieu. Et Dieu a parlé par la bouche de son prophète Zacharie. Alléluia. Et ils ont même des copains. Cette maison, tes mères ont fondé les fondations. Tes mères vont achever. Parce que ce n'est pas ta force que tu vas le faire. Peut-être que tu as déjà échoué 10 fois.
la main des cieux le ciel. Mais tu veux la voir maintenant, tout le monde qui prend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À partir de là, la Bible dit, Dieu a fortifié la main de Zorobabel. À son tour, il y a la Bible, 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 comme dit ma commande, mais maintenant tu sais ce que vient dans le kiki. On a compris notre destin, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Et ta fille est bien ressortie là, comme elle va gagner quelque chose. Nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un pour connaître le père de nous. Alléluia. Parce qu'on commence dans la Genèse 1, le verset 1 à 2. Mais la maintenant, le premier qui tient, mais le mot se bat dans les bancs, pour que la base, pour que la soie. Quand Dieu voulait ressortir la terre. Et moi, tu viens à toi, Nika. Il y a besoin du Saint-Esprit. Et qui a fait pas papa. Alléluia. La Bible dit la terre est telle forme vide. Mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des yeux. Elle est sacrée. Dans le conseil de Dieu. Elle a maintenant le monde de nos mains. Il a dit que Dieu va ressourir la terre. Maintenant Dieu n'a pas créé la terre de forme vide. C'est Lucifer, quand il tomba sur la terre, il a perdu sa lumière et il a couvert la terre avec ses ténèbres. Lucifer est cité au gâteau du pauvre Anipa qui avait pété à voir. Elle sort du petit son. Lui, avec ses démons, ont rendu la terre informe. Il y a deux peu de papa, comment on va autre Anipa? Les choses que j'ai créées, je dois les ressourcer. À son moment, quand même, nous sommes où on va me donner. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit a écouté Dieu dire cela, il s'est mis déjà en mouvement. Et est-ce que papa, pendant la création, la Trinité était à l'œuvre. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père était la voix qui sortait, qui dit que ceci soit, que la lumière soit. Et la parole prononcée était le Seigneur Jésus-Christ. Et l'Esprit était disponible déjà sur les eaux. Après la parole est sortie, le Saint-Esprit saisit la parole comme son outil de travail. Et il crée les choses. Ce soit la parole que tu écoutes. La parole est dépérissée des esprits. Il se sert de la parole. Pour résoudre ton problème. Il se sert de la parole ce soir. Pour opérer ta guérison. Il se sert de la parole ce soir. Pour restaurer ton foyer. Il se sert de la parole ce soir. Pour reconstruire ta vie. Vas-y, c'est toi, dis-moi par la main. Alléluia. Je suis en train d'introduire mon message. Alléluia. Alléluia. C'est pour te montrer que le Saint-Esprit est important. Et il y a des choses dans ton corps que le bébé le mort ou qui va bénir. Dieu dans ça, dans la création des choses avec besoin du Saint-Esprit. Moi, où toi tiens les mots au moment de ta et qui a ton corps. Donc, toi, homme, dans l'accomplissement des temps des états, tu as besoin aussi du Saint-Esprit. Et vous amenez béton, rapide son maintenant, peu, mais va et qui a ton corps. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit. C'est lui qui a donné naissance à l'église. L'église va être fortifiée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait beaucoup de choses dans l'église aujourd'hui. Il crée l'église. D'après Actes 2, le verset 4. C'est lui qui remodèle l'église. Il refaçonne l'église. D'après Ephésiens 2, verset 13. Lui, c'est lui qui protège l'église de Christ. Et il parle à Christ, on est ramené à dire. J'étais sans l'usage de verset 7 à verset 6 à 7. Amen. Je vais aller plus rapidement, c'est pourquoi on n'affiche pas les versets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Libre sous Kata la Bracadia. C'est lui qui promeut l'église. Et il n'a jamais dit la vérité. Alléluia. Amen. C'est lui qui accomplira l'église. Et il tout n'a jamais adoré. D'après Ephésiens 1, verset 6 à 14. Ephésiens 1, verset 6 à 14. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui dans l'église locale, quelles sont ses œuvres? Alléluia. Alléluia. Il désire inspirer les adorateurs, les serviteurs de Dieu. Et si vous les pensez, vous les adorateurs, nous pouvons faire donner la place au Saint-Esprit dans nos cultes. Mais on voit des manifestations surnaturelles de Dieu. Souvent, mais la commande est en lui, Manon. La Bible dit dans Acte 13, le verset 2.
Silas pour l'heure pour laquelle je les ai appelés. Mais il ne parle au Père Silas de la fin de Canaan, mais de Dieu. C'est le Seigneur qui avait ordonné. C'est lui qui les a appelés. Et bien, alléluia. Donc il a donné l'instruction. Et quand les apôtres ont suivi cette instruction, ils ne vont pas les Silas, ont œuvré pour le Seigneur. Yeah.
l'esprit du Saint-Esprit. Jésus comme Seigneur le Sauveur.
La première œuvre, ou bien le premier ministère du Saint-Esprit dans ta vie, c'est la régénération. La régénération, c'est la reconstruction de ta vie. C'est la récréation de ta vie. La reformation. Il reforme ton cœur. Il enlève le cœur du et te donne le cœur du chef. Il te débarrasse de l'esprit mauvais qui habite en toi. Il détruit le géant. C'est pourquoi quand c'était sont dans l'église. Et il continue de dire. Et il y a des noms comme les rois. Donc, ça vous voyez, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas régénéré. Tu es un zoulan et toi. Et il passe son temps à Canévia. C'est les montées qui parlent ici. Qui peuvent être parlé pour les rois. Il y a même pire, tu n'as pas comme un taureau. Avec le Saint-Esprit, on est réformé. On est régénéré. Le géant qui a coloré, le géant qui a menteur, le géant qui a prostitué, le géant qui a adultère. Il s'en va avec le Saint-Esprit de ces années. Le Saint-Esprit. Que quelqu'un dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le ministère de la régénération. Alléluia. Il y a sept résultats. Quand tu es régénéré, il y a sept choses que tu peux constater dans ta vie. Là, tu deviens une nouvelle créature. Deutéronome 7, verset 17. Verset 17. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit, ai-je menti? Mais on peut le faire. En Christ, on est venu quoi? Et les choses anciennes? Alléluia. Amen. Donc en Christ, le Christ on est renouvelé. On est régénéré. On est né de nouveau. Je vois des hommes et des femmes nouveaux ici. Vous êtes renouvelés. Mais vous êtes renouvelés. Quand vous allez repartir dans vos états, dans vos villes, il ne faut pas vous reconnaître. Parce qu'il y a une nouvelle naissance. Une régénération. Recevez le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Deuxième résultat que vous constatez.
accomplir. Vous n'allez commencer par accomplir la justice de Dieu. Ceux qui sont nés de nouveau aiment la justice. Il n'est pas le fraude. Il n'est pas le mensonge. Alléluia. Et toi, la vie sans péché. La vie sans péché. La vie sans péché. Alléluia. La vie sans péché. Le nouveau né a l'esprit d'amour pour Dieu et pour les hommes. Vous voyez ce programme, l'amour illimité de Dieu, tel est le terme. Quelqu'un qui est né de Dieu. Il aime Dieu. Il aime Dieu et il aime les hommes. Aussi, au sein de l'église. Les gens qui sont dans l'église. Et qui se trahissent encore. Ils ne sont pas nés de nouveau. Si tu es ici. Et que tu as quelque chose contre quelqu'un dans ton église. Libère-toi de cette chose. Pour que ta vie soit parfaite devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. 4, 5 maintenant. Alléluia. C'est l'amour pour Dieu, c'est ça. Maintenant, le nouveau né affirme la déité de Jésus, l'autorité, la seigneurie de Jésus. D'après les gens, c'est le verset. Alléluia. Le sixième. Le nouveau-né est préservé, protégé contre Satan. Alléluia. Et après, le nouveau-né peut désormais triompher du monde. Ceux qui triomphent du monde, c'est ceux qui sont nés de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous continuons avec les fonctions du Saint-Esprit. La deuxième fonction, le deuxième ministère, c'est le ministère du baptême. Le ministère du baptême. C'est une autre identification avec Jésus-Christ. Cela signifie notre revêtement spirituel. Alléluia. Identification, c'est quand Paul prêchait et il disait, quand on nous immerge dans l'eau, nous mourons avec lui, et quand on nous relève, nous ressuscitons avec lui. Alléluia. Maintenant, le revêtement spirituel. Je prie pour quelqu'un ce soir.
le Saint-Esprit. Contemplez le Saint-Esprit. Et je tiens avec moi. Et je tiens avec moi. Alléluia. Toi, le Saint-Esprit vient demeurer en nous. Il vient demeurer en nous. Dieu a créé l'homme pour elle. Que l'on soit sa maison, son temple. Dieu s'est révélé par l'homme. Et il a fait les choses avec Adam. Adam, il a échoué. Maintenant, il a fait son fils Jésus. Il a suivi tous les processus. Il est repéti dans la chair. Il a grandi. Il a reçu le baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit. Il a été revêtu du Saint-Esprit. Il a été dilaté par l'ennemi. Et le Saint-Esprit l'a fortifié. Il n'a pas échoué. Alléluia. Donc Dieu dit si Jésus n'a pas échoué, donc les hommes aussi ne vont pas échouer. Si on reçoit le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit demeure en eux, quand le Saint-Esprit dit en Jésus, Jésus ne peut pas échouer. Donc aujourd'hui nous échouons. Ils verront vivre
situations. Il y a un saut pour ses serviteurs. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, il dit jusqu'à ce que les serviteurs ne soient marqués par les sous. Et quand on m'envoie le Seigneur, on va te demander à mes serviteurs qui portent l'huile à mon nom et d'après Psaume 105, le verset 15. Après, si on te tira de Sicilia, Minka, on fond. C'est ça le saut d'huile et le saut. Ou bien le saut de l'onction. Pour la bénédiction et la puissance. Et le septième ministère, cet esprit, c'est le ministère du repêchage. Il y a un divin entre demeurer en nous et nous remplir. Alléluia. Quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit suit la voix de Dieu. Amen. Il peut la vie exécuter. Mais il est limité. C'est dans cette inspiration. La Bible déclare Samson avait le Saint-Esprit en lui. Samson, mais quand le lion était venu le rencontrer, l'Esprit de Dieu l'a saisi et l'a rempli. Il a tombé dans mon corps et il a déchiré le lion. L'Esprit était en lui. Il est enfant de Dieu. Et Dieu ne peut pas déchirer le lion à ce niveau. Nous sommes aliments de Jésus.
aujourd'hui, c'est dans l'église que l'amour est absent. La personne plate dans l'église. Les deux lèvres sont dans l'église. Et nous sommes dans ma petite ville là. Nous n'avons plus de 6 églises congolaises. C'est des divisions.
dans la vie d'un chrétien. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu es baptisé avec les sept esprits de Dieu. Alléluia. Les sept esprits de Dieu sont les membres de la famille du Saint-Esprit. Autour du trône de Dieu. Quand vous lisez Apocalypse 4, le verset 10, il y a des sept esprits. Les sept esprits de Dieu. Et Apocalypse 5, verset 6, dit les sept esprits que Dieu a envoyés sur la terre. Maintenant, Esaïe a eu la vision. C'est là le Messie. Et dans Esaïe 11, verset 2. Nous avons lu ce verset. Tu es businessman ici, tu es homme de Dieu. Tu as besoin de cet esprit pour impacter ton monde. Alléluia. Esaïe 11, le verset 2. Esaïe 11, le verset 2. Qu'est-ce que la parole déclare? C'est ma sangla la brasso qui était. Esaïe 11, le verset 2. L'esprit de l'éternel reposera sur lui. L'esprit de l'éternel. Qu'est-ce que cela signifie? L'esprit de l'éternel. Vous allez dans la Bible hébraïque. C'est là veut dire propriétaire. Alléluia. Donc Jésus reviendra sur la terre. Et l'esprit de l'éternel sera sur lui. Possession de la terre. Alléluia. Là j'ai compris le pourquoi Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Quand Dieu dit je te donnerai un territoire. Donc dans leur langue, elle disait le propriétaire terrien. Quand tu reçois l'esprit du Seigneur, tu exerces l'autorité pour te propriétaire. Tu as besoin de l'esprit du Seigneur. Le chrétien a besoin de l'esprit du Seigneur. Pour l'exprimer, comme les Anglais le disent, les ownership. Alléluia. Alléluia. Dans ce domaine-là, il est le propriétaire. Alléluia. L'esprit du Seigneur exerce l'autorité sur les démons. Les esprits territoriaux. Jésus dit, l'esprit de l'éternel est sur vous. Chassez les démons. Alléluia. Donc quand il rentre dans le territoire, alors sur l'esprit du Seigneur, qui est l'esprit de propriété, il prend possession des démons. En chassant les démons, je prie pour quelque chose là. Reçois l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur. Car le ministère, et ton business, et ton domaine d'activité. Alléluia. Est-ce que vous recevez quelque chose? Il a parlé de l'esprit de sagesse. Ils ont dit, l'esprit de Dieu reposera sur lui. L'esprit de sagesse sera sur lui. L'esprit d'intelligence sera sur lui. L'esprit d'intelligence. Alléluia. Amen. En français, la sagesse, c'est le niveau le plus élevé. L'intelligence appliquée en pratique. Tu donnes une solution et c'est-à-dire que tu émets une idée avec solution. Alléluia. Alors que l'intelligence te permet de poser seulement des idées. Et tu suis un processus normal sans erreur. Il est intelligent. Alors que la sagesse est innée. Alléluia. Quand les gens viennent vers toi, tu donnes l'explication. Tu peux sortir des idées. Avec comment ils peuvent exécuter les idées.
chrétiens sont destinés à recevoir la sagesse. C'est l'homme de Joseph. Et Joseph, il a exprimé la sagesse de Dieu en Égypte. Il a donné des explications, il a donné des propositions au roi. Alléluia. C'est le cas de Daniel. Il était si sage. L'esprit supérieur. Je prie pour les derniers là. Je prie pour les derniers. Je prie pour les Joseph et les Josephines. Vous recevez l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Alléluia. Recevez le nom de Jésus. Salomon était sage. Salomon, il était roi. Daniel était à Babylone. Daniel à Babylone. Le roi de Satan. Satan
même quoi le premier ministre. Tu avais le premier ministre. On est là, mais nous, 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 le monde a besoin de nous. Il a besoin de l'élévation des filles de Dieu. Par nos sagesse, nos conseils. On le dit. Quand j'étais venu prêcher chez nous. Et il va l'omérer comment on a dit la fois. Lui, il fréquente la présidence. Amen. La vie, amen. Et puis chrétien, c'est
l'intimité de Dieu. Comme le Saint-Esprit nous évoque avec le Saint-Esprit. Comme l'autorité de Dieu. Tu es toujours autorité. Tu es supérieur. Mais si vous ne savez pas, je vous donnerai la supériorité. Alléluia. Alléluia. Et quand il a mangé,
le poisson, elle dans le verre, le sang est quand même elle va pouvoir manger encore le poisson. Elle va comme elle est noircadie. Et je lui ai dit, mamie, l'esprit des eaux. Et si le papa, comment j'ai su? Parlons de connaissance. Si tu es venu, il y a tellement d'exemples. Et le problème était résolu. Et il pourrait aller pour le Dieu. Dieu, Jésus-Christ a mis à nous toutes les armes là pour combattre l'ennemi. Nous allons prier. Les hommes de Dieu sont là. Nous sommes là pour bien appliquer la veille annulée. Et l'homme de Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas pour le temps. Nous allons prier. Nous allons déclarer les choses. Ce qu'on devait faire pendant la veille, on va le faire. Je veux que nous vous imposer la main. Nous allons le faire. Nous allons le faire. Je veux que vous communiquiez quelques dons. Il a dit ce que j'ai, je te le donne. Les hommes que tu vas vous donner aujourd'hui. Amen. Monsieur le Seigneur. Monsieur le Saint-Esprit. Parce qu'il t'a parlé. Donc le secret pour être recevoir le Saint-Esprit. C'est la prière. La parole de Dieu. Lecture et méditation. Jeûne et prière. Lecture et méditation. Les apôtres ont prié beaucoup, ont reçu le Saint-Esprit. C'est les deux secrets que je peux délivrer. Mais la vie de sainteté. La vie de sainteté, comme on l'a dit le matin. Cherche à faire la volonté de Dieu. Quand le Saint-Esprit descend, il y a transfert entre le ciel et la terre. Zébatana Bakaria. Zobrakatoumi Bakatana Bakaria. Remercie-le, remercie-le. Remercie-le parce qu'il est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. La gloire de Dieu Jésus. Le trône de Dieu Jésus. Zébara Bosakatana Bakaria. Zébat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 
décision de toi. Et je ne t'ai pas quitté cette conférence. Comme je t'ai venu. Prends une décision dans ton cœur. Donc tu restes ici, je dois recevoir quelque chose. Les hommes de Dieu qui sont dans toi et partent ma vie avec leur notion.
fait pas prier. Et il dit que tout là comme un. Surtout dans ce côté. Les Akaya. Il y a des gens en uniforme. Pourquoi moi les. Le couleur noire. Et nous, ils pompent. Et l'esprit dit. Et pourquoi le. Je chante des vêtements sur aujourd'hui. Les gens de ce côté. Alléluia. Amen. Des tricots noirs. Principalement des tricots noirs. Et l'esprit dit que je chante des vêtements. Et pourquoi le père est donné à nous. Nous toujours allons prier. Il y a quand même des vêtements. Yeah.
ce moment, et tout qui est sur lui, il veut qu'on voit les tuer. Pour le ferme. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas comment est-ce que cela se passe. Mais il y a beaucoup à, ici. Et cela semble que et il y a des coups qui sont sur toi. Et c'est tout. Et se constitue une porte pour l'ennemi, constitue des portes pour la porte. Et cette porte entre par ces portes, c'est tout. Et on les porte. Et elle te, cette porte te débraille. Cette porte te paralyse tous les jours. Cette porte te domine tous les jours. Mais à partir de cette nuit, à partir de ce matin, le Seigneur dit, Don't come
nous en parle comme un père pour nous. Ce que Dieu a dit, c'est ce que nous faisons. Et nous pouvons ériger un programme, mais arriver au dessus de Dieu. Ce que le Saint-Esprit nous a ordonné de faire, c'est ce que nous faisons. La manière dont le pasteur évolue, ça ne l'étonne pas. C'est ça la meilleure erreur. Praise the Lord. La prédication de notre maman, la prédication de votre pasteur, c'est ce qu'il a proclamé faire demain. Avant de venir au terme, Yeah.
Ça sera comme si c'est un rêve. Voilà. Alléluia. On va vraiment ouïa. Nous serons des plus beaux vainqueurs. Amen. Et nous, bien dire.